Le prince Harry va dévoiler ses mémoires le mardi 10 janvier. Le mari de Meghan Markle a décidé d'accorder deux interviews avant la sortie de son ouvrage. Son interview sur la chaîne britannique ITV va être retransmise sur TF1. 3 ans après sa décision de quitter la famille royale britannique en compagnie de sa femme, le prince Harry ne cesse de faire parler de lui. Après avoir provoqué la stupeur en annonçant son départ aux États-Unis en 2020, la diffusion de son interview polémique avec Oprah Winfrey en 2021, la sortie de son documentaire Netflix sur son histoire d'amour avec Meghan Markle en 2022, le fils de Charles III s'apprête désormais à dévoiler ses mémoires. Baptisé Spare, Le Suppléant, le livre du duc de Sussex, dont certains passages ont déjà fuité, retrace sa vie et aborde sa relation compliquée avec sa famille. Avant la sortie de l'ouvrage qui fait déjà polémique, le prince Harry a cependant décidé d'accorder 2 interviews exclusives. La première à la chaîne américaine CBS et la deuxième aux médias britanniques ITV, face au journaliste Tom Bradby. TF1 va diffuser l'interview du prince Harry en deuxième partie de soirée si les Américains et les Britanniques vont pouvoir visionner les 2 interviews le dimanche 8 janvier, les Français pourront également en profiter. En effet, la chaîne de télévision TF1 a annoncé qu'elle avait acquis les droits de diffusion à travers un communiqué. L'interview d'ITV sera retransmise en exclusivité en France, le lundi 9 janvier à 23h10 après le lancement de la nouvelle série Lycée Toulouse-Lautrec. Dans ce nouveau témoignage qui sera diffusé en deuxième partie de soirée, le frère du prince William revient sur sa vie. En plus d'évoquer les conséquences qui ont suivi la mort de sa mère Lady Diana, il aborde les rapports tendus avec ses proches. Des propos qui ne devraient pas plaire à Buckingham Palace puisque l'homme de 38 ans n'hésite pas à lancer, ils n'ont montré absolument aucune volonté de se réconcilier, dans les extraits déjà dévoilés. De son côté, le prince Harry a déclaré qu'il souhaitait renouer avec son père et son frère.